En 1980, le Guinness Book des records entérine le record du plus grand nombre jamais utilisé dans une démonstration mathématique. C'est un nombre qui apparaît pour la première fois en 71 dans une sombre histoire de coloration des arêtes d'un hypercube et qui répond au nom de nombre de grammes. Ce nombre est vraiment très grand, mais vraiment, vraiment, vraiment très grand. Et même s'il existe quand même des nombres plus grands, ce nombre est tout de même très, très grand. Enfin bref, j'ai deux minutes pour vous en parler. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à faire un tour sur le Tipeee ou le KissKissBankBank. Bank Bank. En attendant, place à la vidéo. Quel est le plus grand de tous les nombres On est tous d'accord, cette question n'a pas vraiment de sens puisque des nombres, il y en a une infinité, il y en aura toujours autant que l'on veut. Pour n'importe quel nombre n, on peut en effet toujours en fabriquer un plus grand, en prenant par exemple son successeur n plus 1. C'est la notion d'infini potentiel. Les nombres sont à notre disposition à volonté, même si on ne pourra jamais tous les avoir en même temps. Cette notion d'infini potentiel s'oppose à celle de l'infini actuel, où l'on considère que les ensembles vraiment infinis, ça existe, et qu'on peut en disposer comme bon nous semble. Un exemple d'ensemble infini, c'est celui de tous les nombres entiers naturels. Cet ensemble sera constitué de tous les nombres entiers qui existent ou qui peuvent exister, et ils sont tous là sans exception. On pourrait alors dire que le plus grand de tous les nombres, c'est l'infini, le nombre d'éléments dans l'ensemble des nombres entiers. Sauf que cette réponse n'est pas vraiment satisfaisante. Déjà parce que l'infini, c'est plutôt un outil mathématique que vraiment un nombre. Mais en plus, on sait depuis Cantor qu'il y a des infinis plus grands que d'autres. Et ça, ça amène à des considérations sur les très grands infinis qui sont loin d'être closes par les logiciens. Et je ne parle pas non plus des conséquences bizarres qu'implique l'infini, je vous renvoie à mes vidéos sur le paradoxe de banach Tarski ou à celles sur l'hôtel de Hilbert pour plus de détails. Bref. Répondre l'infini à la question du plus grand des nombres, c'est pas vraiment répondre à la question. Quel est donc le plus grand de tous les nombres Bon, la réponse n'a toujours pas changé depuis le début de la vidéo, un nombre plus grand que tous les autres, ça n'existe toujours pas. Changeons alors un peu la question. Quel est le plus grand nombre que l'on peut imaginer Le plus grand nombre que l'on serait capable de décrire en quelques mots, disons en moins d'une vingtaine En posant cette question, on saute à pieds joints dans un nouveau paradoxe, le paradoxe de Berry. La langue française ne possède qu'un nombre fini de mots. Il n'existe donc qu'un nombre fini d'assemblages de mots possibles qui font moins de 20 mots. Certaines phrases ne font pas référence à des nombres, mais d'autres, si. Si on se restreint aux seules expressions qui désignent des nombres entiers, puisqu'il n'y en a qu'un nombre fini, alors il existe des nombres impossibles à décrire en moins de 20 mots. Mais dans ce cas, que penser de l'expression le plus petit entier impossible à décrire en moins de 20 mots On a donc une phrase qui s'auto-contredit, et ça n'a donc pas vraiment de sens de parler du plus grand nombre qu'il est possible de définir en moins de 20 mots. Plutôt que de chercher le plus grand nombre imaginable, cherchons plutôt le plus grand nombre à avoir été imaginé. Pour éviter les paradoxes, on va s'interdire les phrases ambiguës du genre ⁇ le plus grand nombre entier à avoir été imaginé plus 1 ⁇ Et on va surtout se restreindre au nombre qui présente un intérêt conceptuel. Se contenter d'ajouter 1 à un autre nombre, ça manque un peu d'ambition. Bref, quel est le plus grand nombre qui présente un minimum d'intérêt Puisque tout bon problème de mathématiques commence par l'Antiquité grecque, parlons du premier à s'être vraiment intéressé au très grand nombre. Au IIIe siècle avant notre ère, pendant que les Romains utilisent leur célèbre numération additive qui avec des croix, des V et des bâtons, les Grecs utilisent un système décimal aujourd'hui un peu oublié. Ils ont déjà 9 chiffres, qui sont en fait des lettres, pour compter de 1 jusqu'à 9. Puis, pour les dizaines, ils ont 9 autres chiffres, et encore 9 autres pour les centaines. Pour les milliers, ils reprennent les chiffres des unités avec un petit symbole distinctif placé devant pour le distinguer. On place alors ces symboles les uns à côté des autres pour former n'importe quel nombre entre 1 et 9999. Au-delà, il n'y a pas de symbole spécifique pour les dizaines de milliers, il y a simplement la lettre M qui correspond à la myriade, c'est-à-dire le nombre 10 000. Ils peuvent alors écrire les nombres jusqu'à 9999 myriades 9999. Et c'est tout. Le système d'écriture des nombres ne permet pas vraiment d'aller plus loin, à moins de parler de myriades de myriades ou de myriades de myriades de myriades. Mais pour certains savants de l'époque, ce n'est pas suffisant, en particulier pour Archimède. Dans les années moins 230, le savant de Syracuse écrit l'arénère, un texte qu'il adresse à son roi. L'objectif d'Archimède, c'est de démontrer que, puisque l'univers est selon eux une sphère de taille finie, alors si on le remplit entièrement de sable, alors le nombre total de grains sera certes très grand, mais pas infini pour autant. Ce texte est mathématiquement remarquable pour deux choses. La première, c'est qu'il invente une nomenclature pour les très très grands nombres, ce qui lui permettra de compter jusqu'à 10 puissance 8 fois 10 puissance 16. Et la deuxième, c'est qu'il découvre une règle qui lui permet de manipuler ces très grands nombres, la règle du produit des puissances x puissance a fois x puissance b égale x puissance a plus b. Détaillons un peu ces deux idées. On l'a vu, pour un grec ancien, les nombres qui ont un nom sont les entiers entre 1 et 9999 myriades 999. Archimède va appeler ces nombres les nombres premiers. Aucun lien avec les nombres divisibles seulement par 1 et par eux-mêmes, ici on parle plutôt des premiers nombres que l'on rencontre quand on compte. Le plus petit nombre qui vient juste après tous ces nombres premiers, ça sera la myriade de myriades. Aujourd'hui, on appelle ce nombre plus volontiers 100 millions, on le note avec un 1 suivi de 8 zéros ou plus simplement 10 puissance 8. Cette myriade de myriades, Archimède la baptise unité des nombres deuxièmes. Cette unité peut bien sûr être multipliée par 2, par 3, par 4, etc. Jusqu'à être multipliée par 9999 myriades 9999. On peut donc compter jusqu'à 9999 myriades 9999 unités des nombres seconds et 9999 myriades 9999 unités. Pour aller plus loin, il faut donc considérer la myriade de myriades de nombres seconds, celle unité des nombres troisièmes, qui vaut donc 10 puissance 8 fois 10 puissance 8, c'est-à-dire 10 puissance 16. En poursuivant de la même façon, on va construire l'unité des nombres quatrièmes, des nombres cinquièmes, des nombres sixièmes, etc. En généralisant, on peut construire l'unité des nombres n qui est 10 puissance 8 fois n-1. La plus grande unité que l'on peut alors construire de cette façon, ça sera l'unité des nombres myriades de myriadièmes. Mais Archimède ne s'arrête pas en si bon chemin. Les nombres que l'on vient de décrire jusqu'ici sont les nombres qu'il nomme nombres de la première période. Le nombre qui vient juste après 10 puissance 8 fois 10 puissance 8, c'est donc l'unité des nombres premiers de la deuxième période. Ces nombres de la deuxième période permettent alors de compter jusqu'à 10 puissance 16 fois 10 puissance 8 moins 1. Mais, vous l'avez compris, après tous les nombres de la deuxième période viendront les nombres de la troisième période, de la quatrième période, etc., etc., jusqu'au nombre de la période numéro myriade de myriades. Archimède n'a pas jugé utile de définir des nombres encore plus grands, mais il est tout de même déjà possible d'envisager de compter jusqu'à presque 10 puissance 8 fois 10 puissance 16, ce qui est amplement suffisant pour n'importe quelle tâche du quotidien d'un grec ancien. Ce qui est important ici, c'est que même si ces nombres représentent des quantités dont la taille est difficile à imaginer, ce ne sont pas des quantités infinies. D'où la question d'Archimède, estimer le nombre de grains de sable que l'on peut faire entrer dans une sphère de la taille de l'univers. Examinons dans les grandes lignes son raisonnement. Via une série de calculs que je ne vais pas détailler, Archimède propose plusieurs estimations à l'excès. Il évoque déjà le diamètre de la Terre, inférieur à 100 myriades de stades. Le stade, c'est une unité de longueur qui vaut dans les 192 mètres, ce qui donne une estimation du diamètre de la Terre à plus de 15 fois sa taille réelle. Une estimation très large donc. L'univers, c'est selon Aristarque de Samos, une sphère délimitée par les étoiles immobiles, et Archimède estime sa taille à moins de une myriade de fois le diamètre de la Terre. Côté sable, Archimède considère que dans le volume d'une graine de pavot, on ne peut pas mettre plus d'une myriade de grains de sable. Pourquoi une graine de pavot Honnêtement, j'en sais rien. Toujours est-il qu'avec 40 graines de pavot, on dépasse la largeur d'un doigt, et avec une myriade de doigts, on dépasse le stade. On peut alors se lancer dans les calculs grâce à la règle des puissances découverte par Archimède qui transforme les produits en sommes. En multipliant toutes ces données et en mettant ce qu'il faut au cube, je vous épargne les calculs, Archimède conclut qu'un nombre de grains de sable suffisant pour remplir l'univers sera de 1000 myriades des nombres huitièmes, ce qui est un nombre très grand, mais qui est assurément plus petit que l'infini. En écriture d'aujourd'hui, ce nombre s'écrit 10 puissance 63 et au vu de cette conclusion, on peut légitimement se demander pourquoi Archimède s'est pris la tête à nommer dans son texte des nombres qui dépassent les 10 puissance 800 millions. 2300 ans après Archimède, les conventions pour nommer les nombres ont bien changé. Il y a l'écriture décimale, bien sûr, mais il y a aussi cette habitude héritée du 15e siècle de grouper les chiffres par paquets de 3 ou 6 afin de les lire plus facilement. On commence par rassembler les chiffres par groupe de 6, puis on ajoute les mots en lion qui correspondent aux puissances de 1 million. Le billion, le trillion, le quadrillion ou quatrillion, le quintillion, le sextillion, etc., etc. Le énième mot en lion désigne ainsi 1 million à la puissance n. Ainsi, le nombre qui s'affiche sur votre écran, c'est le nombre de puissance 50, qui peut se lire « 1125 899 906 842 624 ». On peut aussi utiliser le suffixe « liard » pour désigner un millier de puissance de 1 million, si bien que notre nombre se lit aussi « 1 125 899 906 842 624 ». Enfin, ça, c'est en France. Le sens des mots en lion a été adopté légalement en 1961, et une bonne partie de l'Europe de l'Ouest partage cette convention pour nommer les nombres. Quand les chiffres sont regroupés par paquets de 6 pour pouvoir être lus, c'est ce que l'on appelle l'échelle longue. Mais pour d'autres pays, notamment les pays anglophones, c'est une autre échelle qui est utilisée, l'échelle courte. Les mots utilisés sont les mêmes, billion, trillion, etc., mais leur sens numérique diffère. Dans l'échelle courte, les chiffres sont regroupés par paquets de 3, et le nème nombre en lion désigne alors 1000 puissance n fois 1000. Le nombre de tout à l'heure se lira donc pour un partisan de l'échelle courte, 1 trillion 125 trillions, 899 billions, 906 millions, 842 624. Bref, on a des mots officiels jusqu'à la 6 puissance de 1 million, mais au-delà. On peut sans problème construire les mots suivants avec les préfixes latins, ce qui donne le septillion, l'octillion, le nonillion, le décilion, etc. Le nombre de grains de sable qui remplit l'univers noir Archimède, c'est donc un décilliard puisqu'il s'agit de 1000 décillions, 1000 fois la dixième puissance de 1 million. Mais au-delà, pour la 11e puissance, pour la 58e, pour la 347e, il existe plusieurs nomenclatures plus ou moins complètes, mais ma préférée est celle du génial John Conway que j'avais déjà évoqué dans ma vidéo à son sujet. Dans le livre The Book of Numbers qu'il a coécrit avec Richard Guy, Conway expose une méthode pour nommer toutes les puissances de 1 million dont l'exposant est inférieur à 999. On va pour cela se référer à ce tableau, qui permet par exemple de dire que la 11e puissance de 1 million sera l'un l'indécision que la 58e puissance de 1 million sera l'octoquinquagintillion et la 347e sera le septième quadrage et Au-delà de la 999e puissance de 1 million, on intercale la syllabe li et on peut potentiellement écrire n'importe quel nombre. Ainsi, le plus petit nombre de la deuxième période dans l'échelle d'Archimède, c'est 10 puissance 800 millions, soit 100 fois 1 million à la puissance 133 333 333. Le nombre 10 puissance 800 millions peut donc se lire 113 Triginta senti lit 13 Triginta très senti lit 13 Triginta très senti, li, 13 trijenta, 13 senti L'intérêt de cette nomenclature, c'est qu'elle permet de donner le nom de n'importe quel nombre entier imaginable. Le point négatif, c'est que pour des nombres trop grands, il devient inutilisable. Le plus grand nombre d'Archimède, 10 puissance 8 x 10 puissance 16, soit 10 puissance 80 billards, a bien un nom dans cette nomenclature. Mais là, il est hors de question pour moi d'essayer de le lire. En 1940, les deux mathématiciens Edward Kastner et James Newman discutent dans leur livre des très grands nombres afin d'expliquer que malgré leur taille, ils ne sont malgré tout pas infinis. Kastner donne alors l'exemple d'un nombre très grand, 10 puissance 100, et laisse l'honneur à son neveu, alors âgé de 7 ans, de le nommer. Ce nombre, un 1 suivi de 100 zéros, sera alors baptisé le Google. Prenons quelques secondes pour visualiser à quel point ce nombre représente une quantité immense. Par exemple, un Google de secondes, ça représente quoi Pour cela, prenez un escargot et faites-lui faire des tours de la Terre. Chaque tour devrait lui prendre environ 4 milliards de secondes. A chaque fois qu'il termine un million de tours, retirez une molécule d'eau de la Terre. Puisqu'il y en a approximativement 10 puissance 50, la Terre sera donc sèche dans environ 10 puissance 65 secondes. À cet instant, préparez une crêpe pour fêter ça. Puis replacez chaque molécule d'eau à sa place et recommencez autant de fois qu'il sera nécessaire que la pile de crêpes atteigne Proxima du centaure. Il vous faudra environ 10 puissance 19 crêpes, ce qui vous demandera dans les 10 puissance 84 secondes. A chaque fois qu'une pile est terminée, vous jouerez une grille de l'euro million avant de tout recommencer. La loi des grands nombres vous assurera alors de gagner environ une fois toutes les 140 millions de grilles jouées. Dès lors, poursuivez le processus jusqu'à ce que vous aurez gagné pour la 20 millionième fois le gros lot. Vous pourrez alors vous arrêter puisque 1 Google de secondes se seront écoulées. Bref, 10 puissance 100, c'est un nombre très grand. Mais on peut quand même écrire sa centaine de chiffres, et il est possible d'en donner un sens vaguement concret. Et ce n'est même pas un si grand nombre que ça, puisque ça reste malgré tout plus petit que par exemple le nombre de façons différentes de mélanger un jeu de tarot, un nombre qui est égal à factoriel de 78. Pour avoir un nombre plus grand, Kastner imagine le Googleplex, un 1 suivi d'un Google de 0. C'est le nombre 10 puissance 10 puissance 100. Si on écrit un chiffre par seconde, le temps nécessaire pour juste écrire en entier le nombre sous sa forme décimale, ça sera un Google de seconde, et je ne vais pas refaire mon histoire d'escargot. A noter tout de même que lorsque l'on écrit des puissances de puissance, les puissances les plus hautes sont prioritaires. 10 puissance 10 puissance 100, ça veut bien dire 10 puissance, entre parenthèses, 10 puissance 100, c'est-à-dire 10 puissance, un Google. Et non pas entre parenthèses, 10 puissance 10, le tout à la puissance 100 puisque ça, ça vaut 10 puissance 1000, qui est certes un nombre très grand, mais qui ne joue certainement pas dans la même cour que le Googleplex. On peut pousser la construction du Googleplex encore plus loin, et ça c'est une idée de Conway et Guy. En ajoutant le suffixe « plex » après un nombre x, on désigne le nombre 10 puissance x. Ainsi, le Googleplex désigne bien 10 puissance 1 Google, et le Googleplexplex désigne 10 puissance 1 Googleplex, un 1 suivi de 1 Googleplex de 0. Et ça c'est n'importe quoi, à quel point ce nombre gigantesque ah et pour ceux qui se posent la question, c'est bien le nombre inventé en 1940 qui a donné en 97 après des formations son nom au moteur de recherche pour exprimer l'idée d'un nombre potentiellement vertigineux de pages à indexer. Et fun fact supplémentaire, le siège social de Google s'appelle le Googleplex. Pour produire des très grands nombres, on l'a vu avec le Googleplex ou le Googleplexplex, une bonne idée est de mettre des puissances dans des puissances dans des puissances, etc. Pour formaliser tout ça, on va revenir à la construction des opérations. Formellement, c'est quoi une multiplication? Le nombre 3 x 4, par exemple, c'est en fait le nombre 3 plus 3 plus 3 plus 3. C'est la répétition, l'itération d'une somme, où le nombre 3 est présent en 4 exemplaires. Une multiplication, c'est donc une somme itérée. De la même façon, on peut aussi définir les exponentiations, c'est-à-dire les opérations puissance, de façon itérative. Le nombre 3 puissance 4, c'est 4 exemplaires du nombre 3 multipliés ensemble. 3 puissance 4, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. On peut donc généraliser le processus en inventant une nouvelle opération qui serait l'itération de l'exponentiation, une notation pour désigner les empilements de puissance. Plusieurs chercheurs ont proposé des notations, mais celle qui est restée est celle introduite dans les années 70 par l'informaticien et mathématicien Donald Knuth vous le connaissez peut-être pour son logiciel tech incontournable pour rédiger n'importe quel document scientifique bref knos propose de noter les puissances et leur généralisation à l'aide de flèches verticales dans un premier temps on définit la simple flèche comme une simple puissance 3 flèches 4, ça veut dire 3 puissance 4, c'est l'exponentiation. Pour désigner l'itération d'une puissance, c'est-à-dire une tour de puissance, comme 3 puissance 3 puissance 3 puissance 3, on va utiliser une double flèche. Cette tour de puissance se note donc 3 double flèche 4, opération que l'on appelle la tétration. Cette opération permet de fabriquer des nombres astronomiquement grands. 3 tétration 4, c'est donc 3 puissance 3 puissance 3 puissance 3, soit 3 puissance 3 puissance 27, soit environ 3 puissance 7,6 billions. Pour écrire 3 tétration 4, il faut alors 3,6 billions de chiffres. L'intérêt de cette notation fléchée, c'est qu'on peut la généraliser. L'opération suivante, la partation, se note avec 3 flèches et correspond à l'itération de la tétration. Le nombre 3 triple flèche 4, c'est donc 3 double flèche 3 double flèche 3 double flèche 3. Double flèche 3. Et ce nombre est déjà incommensurablement plus grand que n'importe quel Google plex, plex 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 que vous pourriez nommer. En effet, si on cherche à faire le calcul, 3 triple flèche 4, ça sera 3 double flèche 3, double flèche 3 puissance 3 puissance 3. Cette petite tour de puissance valant dans les 7,6 billions, on a donc 3 double flèche 3 puissance 3 puissance 3 puissance 3 puissance 3, etc., avec plus de 7,6 billions d'exemplaires de ce 3 dans cette tour. Si chaque 3 mesurait 1 cm, cette tour de puissance nous emmènerait presque jusqu'au soleil. Sachant qu'avec 5 exemplaires on écrase complètement le Googleplex, cette tour à plusieurs billions de termes est tout simplement inconcevable. Et le calcul n'est pas terminé puisqu'il faut maintenant créer une tour de puissance de 3, dont la hauteur est précisément ce nombre absurdément grand. Bref, 3 triple flèche 4 est un nombre immensément immense. Mais on l'a dit, les flèches de CNUS, on peut facilement les généraliser. L'exation ou quadruple flèche, c'est donc une itération de la triple flèche, et l'itération de cette quadruple flèche donne l'heptation, et ses 5 flèches, que l'on peut aussi noter avec un exposant. De façon générale, l'opérateur flèche exposant n correspond à l'itération de l'opérateur flèche exposant n-1, et ça permet donc de construire des nombres indiciblement gigantesques. Ces nombres peuvent sembler complètement sans intérêt, étant donné leur taille. Et pourtant, il existe bien un problème devenu célèbre car sa démonstration implique l'utilisation de ces flèches, c'est le problème de Graham. En 1971, les mathématiciens Ronald Graham et Bruce Rothschild s'intéressent au problème de la théorie de Ramsey. Il s'agit d'un domaine assez vaste de problèmes de combinatoire, dont on peut souvent résumer les théorèmes en disant que quand un ensemble d'objets devient suffisamment grand, il devient impossible d'éviter certains motifs. Par exemple, si vous prenez au moins 463 points au hasard, il y aura forcément 6 points quelque part qui vont former un hexagone qui ne contient aucun autre point. Il faudrait que je fasse un jour une vidéo sur la théorie de Ramsey, il y a plein de problèmes sympas à explorer. Bref, dans notre histoire, Graham s'intéresse aux différentes façons de colorer les arêtes des hypercubes. Voici l'idée. Prenez un cube et reliez ensemble tous les sommets. Un cube ayant 8 sommets, vous avez donc maintenant 28 arêtes. On va à présent colorer chacune des arêtes soit en rouge, soit en bleu. On peut calculer qu'il y a 2 puissance 28, soit 268 millions de façons de faire une telle coloration. Pour chacune de ces colorations, on va regarder s'il existe 4 sommets qui forment un complexe de 6 arêtes coplanaires et monochromes. C'est-à-dire 4 sommets dans un même plan, coplanaires, ça peut être une face du cube ou ça peut être un plan diagonal, et dans ce plan, les 4 sommets doivent être reliés par 6 arêtes qui doivent tout être bleues ou bien tout être rouges, monochromes donc. Parmi les 268 millions de façons de colorier le cube, on peut très vite remarquer qu'il y en a plusieurs où il est impossible de trouver ce motif de 6 arêtes coplanaires et monochromes. En trois dimensions, ce motif est donc évitable. On va alors monter en dimension et chercher à nouveau ce motif, mais cette fois-ci sur un hypercube de dimension 4. On peut se le représenter visuellement en prenant deux cubes identiques et en reliant deux à deux les sommets homologues. On a alors cette représentation visuelle de l'hypercube de dimension 4 avec laquelle on peut travailler. Vous pouvez compter que cet hypercube a 16 sommets et on va tous les relier deux à deux, ce qui donne alors 120 arêtes. On va alors colorer ces 120 arêtes avec deux couleurs, ce qui donne deux puissances 120 façons différentes de faire une telle coloration. Là encore, on va chercher si le motif des 6 arêtes coplanaires monochromes est toujours présent quelque part, ou bien s'il si est évitable. Et encore une fois, en cherchant un peu, on peut se convaincre que pour cette coloration-là, il n'y a nulle part notre motif des 6 arêtes coplanaires monochromes. La question de Gram est donc la suivante existe-t-il une dimension n à partir de laquelle le motif devient inévitable on cherche donc s'il existe une dimension n dans laquelle tout hypercube dont on a relié deux à deux tous les sommets puis coloré ses arêtes avec deux couleurs possède quelque part six arêtes coplanaires de la même couleur. Ce que Graham démontre en 1971, c'est que la réponse à cette question est oui, cette dimension existe bien, et c'est prouvé dans un papier d'une trentaine de pages. Cet article aurait facilement pu être oublié et rester dans les pages de la revue dans laquelle il a été publié, mais une formule va attirer l'attention, celle qui donne une estimation de cette fameuse dimension n. Ce nombre est très grand, mais genre très très grand. Ce nombre répond aujourd'hui au nom de nombre de grammes. Enfin, si on veut être tout à fait exact, le nombre de grammes dont on trouve la définition un peu partout n'est pas exactement le nombre n du papier original. Il s'agit d'une variante un peu plus grande, créée par Graham dans un papier jamais publié et popularisée ensuite par Martin Gardner dans un article de 77 du scientifique américain. Bref, le nombre de Graham, qu'est-ce que c'est Il est temps de passer à sa définition. Reprenons pour cela le nombre 3 quadruple flèche 3. C'est donc le nombre 3 triple flèche 3 triple flèche 3. Le nombre 3 triple flèche 3, on l'a évoqué il y a quelques minutes. C'est cette tour de l'enfer, une tour de puissance de 3 qui nous emmène jusqu'au Soleil et qui compte plus de 7,6 billions de fois le nombre 3. Le nombre 3 quadruple flèche 3, c'est donc 3 triple flèche cette tour de l'enfer. Ce nombre est donc égal à 3 double flèche 3, double flèche 3, double flèche 3, etc., où le nombre de 3 dans la formule est égal à la valeur de la tour de l'enfer. La double flèche, on rappelle que c'est la tétration qui nous permet d'empiler les puissances. Le nombre que l'on cherche à calculer, c'est donc une tour de puissance de 3, dont la hauteur est une tour de puissance de 3, dont la hauteur est une tour de puissance de 3, etc., 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 et il faudra répéter cette histoire de tour de puissance de 3 un nombre de fois égal à la valeur de la tour de l'enfer. Ce nombre est tout simplement monstrueux. Il est absolument impossible pour qui que ce soit de le concevoir intuitivement, tellement ce nombre est immense. Et pourtant, nous sommes encore très très loin d'avoir défini le gramme. Cette horreur des mathématiques est 3 quadruple flèche 3. Ce n'est que la première étape. Appelons alors ce nombre G1. Maintenant, nous allons écrire G2, que l'on définit comme étant 3 flèches, 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 3, où le nombre de flèches est le nombre G1, le nombre monstrueux de la première étape. Ok, on va faire une petite pause pour regarder ce que l'on est en train de faire. Avec une double flèche, on a fabriqué des nombres très très grands, des nombres déjà très impressionnants. Avec 3 flèches, on a fabriqué des horreurs dont il est humainement impossible d'écrire tous les chiffres. Avec 4 flèches, on a fabriqué des atrocités qui ridiculisent complètement les capacités d'abstraction de nos cerveaux. Et je ne vous parle pas des abominations que l'on fabrique avec 5 ou 6 flèches. Mais pour définir G2, ce ne sont pas juste quelques flèches qu'il faut utiliser, non. C'est G1 flèche, ce nombre tellement immense que nos cerveaux ne sont pas câblés pour en comprendre la taille. G2, c'est donc un nombre indiciblement démesuré. Sauf qu'on n'a pas fini. Il faut maintenant définir G3, qui est comme G2, mais avec G2 flèches. Puis G4, puis G5. Et ainsi de suite et ainsi de suite jusqu'à définir G64. Voilà, le monstre de grammes, c'est lui, le plus grand nombre qui nous a été donné de voir dans une démonstration mathématique sérieuse. Une borne supérieure de la plus petite dimension dans laquelle on est sûr que tous les hypercubes possèdent au moins 6 arêtes coplanaires monochromes. Et le pire pour moi dans cette histoire, c'est que ce nombre de grammes est simplement une borne supérieure. La borne inférieure connue aujourd'hui, c'est juste 13. La solution au problème initial de cette histoire de coloration d'hypercube, c'est donc un nombre situé quelque part entre 13 et le nombre de grammes. D'après le Guinness Book des Records, le nombre de grammes est le nombre le plus grand jamais utilisé dans une démonstration mathématique. Mais ça, c'est quelque chose de plutôt discutable, puisque les mathématiciens ont à plusieurs reprises proposé des méthodes qui permettent de construire des nombres bien plus grands que le nombre de grammes. L'exemple emblématique, c'est la fonction tri, et plus particulièrement le nombre tri de 3. Ça provient d'un petit problème de théorie des graphes, et ça pulvérise complètement tout ce que vous pourrez imaginer comme quelque chose de grand. Le problème tri consiste à construire une séquence d'arbres enracinés qui doivent respecter certains critères que je vais détailler. Un peu de vocabulaire pour commencer. Un arbre, c'est un graphe connexe, c'est-à-dire des nœuds reliés par des arêtes et d'un seul tenant, et qui de plus ne présentent aucune boucle. Les arbres que l'on va considérer seront enracinés, c'est-à-dire que l'un des nœuds sera la racine de l'arbre que l'on va placer tout en bas, de telle sorte que pour chaque paire de nœuds dans l'arbre, il y ait toujours un seul plus proche ancêtre commun. De plus, nos arbres seront colorés, c'est-à-dire qu'une couleur aura été choisie pour chacun des nœuds. On va enfin introduire la notion d'arbre inclus dans un autre. On dira qu'un arbre enraciné A est inclus dans un arbre enraciné B lorsqu'il est possible de construire l'arbre B à partir de l'arbre A en lui ajoutant de nouveaux nœuds et de nouvelles arêtes, éventuellement en subdivisant une arête en plusieurs en lui ajoutant des nœuds, mais sans jamais modifier la couleur des nœuds de A ni leur disposition. En particulier, le plus proche ancêtre commun de deux nœuds de l'arbre A doit être le même dans l'arbre A et dans l'arbre B. Notre problème tri, donc, c'est de construire une suite d'arbres enracinés colorés et qui respectent les deux critères suivants. Le premier critère à respecter, c'est que le premier arbre doit avoir au plus un nœud, le deuxième arbre doit avoir au plus deux nœuds, le troisième au plus trois nœuds, et ainsi de suite. Le deuxième critère, c'est qu'aucun arbre ne doit être inclus dans un arbre situé plus loin dans la suite. On cherche alors à construire la plus longue séquence possible de tels arbres pour un nombre de couleurs limité. Si l'on dispose de n couleurs différentes, on appellera tri de n la longueur de la plus longue suite d'arbres qu'il est possible de construire avec ces n couleurs. Par exemple, si on ne dispose que d'une seule couleur, disons le bleu, le premier arbre doit être constitué d'un seul nœud, forcément bleu. Puisque le premier arbre ne peut pas être inclus dans le deuxième arbre, le deuxième arbre ne pourra donc pas avoir de nœud bleu, et donc pas de nœud du tout. La plus longue suite d'arbres monocolores est alors composée d'un seul arbre, et donc tri de 1 égale 1. Pour calculer tri de 2, on va faire la même chose avec deux couleurs, disons bleu et rouge. Pour le premier arbre, on va prendre le même, un seul nœud bleu. On ne peut donc plus utiliser de nœud bleu. Notre deuxième arbre sera donc composé de deux nœuds, forcément tous les deux rouges. Pour le troisième arbre, on ne peut toujours pas utiliser de nœuds bleus, et on ne peut pas avoir deux nœuds rouges l'un au-dessus de l'autre. Impossible donc de prendre un arbre à trois nœuds ou à deux nœuds. Cependant, on peut toujours prendre un arbre avec un seul nœud, rouge, si bien que notre suite sera composée de trois arbres, et donc tri de 2 égale 3. Mais quand arrive une troisième couleur, disons le vert, c'est là que les choses partent en vrille. On pourra construire des suites longues, très longues, très très longues. Semble-t-il potentiellement infinies Et pourtant non, il est possible de démontrer que quoi que l'on fasse, les suites ne seront jamais infinies, et c'est une conséquence d'un théorème appelé le théorème de Kruskal. Mais surtout, on peut démontrer que ces suites d'arbres tricolores seront bornées, ce qui implique l'existence d'une plus longue suite d'arbres tricolores. Le nombre tri de 3 existe donc, c'est la longueur de la plus longue suite d'arbres tricolores qui respecte les critères, et c'est un nombre tout simplement immense. Pour vous donner une petite idée de sa démesure, dites-vous simplement que la taille du nombre de grammes est extrêmement facile à imaginer à côté de celle de tri de 3. Et c'est d'ailleurs ce qui rend ce nombre un petit peu frustrant. Tri de 3 est tellement gigantesque qu'il est quasiment impossible de se représenter à quel point il pourra être gigantesque, mais on peut quand même essayer de s'en faire une idée et on va introduire pour cela une hiérarchie des croissances rapides. En mathématiques, il y a des choses qui grandissent plus vite que d'autres. La fonction identité grandit moins vite que la fonction carré qui grandit elle-même moins vite que la fonction cube, qui grandit moins vite que l'exponentielle, qui grandit moins vite que l'exponentielle d'une exponentielle, et ainsi de suite. Toutes ces fonctions sont plutôt lentes quand on les compare aux fonctions à croissance démentielle que l'on vient de construire, comme les fonctions qui utiliseraient les opérateurs de Knus, la fonction petit g qui permet de définir le nombre de grammes, ou bien alors la fonction tri. Il nous faut alors construire des fonctions étalons de plus en plus rapides qui vont nous permettre de comparer les vitesses de croissance de ces différentes fonctions. Ces fonctions étalons, on va les construire récursivement en commençant par f0, la fonction successeur, définie pour tout n par f0 de n égale n plus 1. On a donc f0 de 1 égale 2, f0 de 2 égale 3, f0 de 3 égale 4 et ainsi de suite. La fonction suivante, f1, sera définie par itération de cette fonction successeur. Plus précisément, f1 de n, c'est n répétitions de la fonction f0 et évaluée en n. Ainsi, f1 de 1, c'est f0 de 1, c'est égal à 2. f1 de 2, c'est f0 de f0 de 2, c'est donc f0 de 3, c'est donc égal à 4. De même, f1 de 3, ça sera f0 de, f0 de f0 de f0 de 3, et on peut vérifier que ça donne 6. De façon générale, on peut assez facilement prouver que f1 de n est égal à 2n. La fonction suivante, f2, sera elle définie à partir de l'itération de la fonction f1. Plus précisément, f de 2n c'est n, n répétitions de la fonction f1 et évaluée en n. Par exemple, f2 de 1 est égal à f1 de 1, c'est égal à 2. f2 de 2 c'est égal à f1 de f1 de 2, c'est égal à f1 de 4, c'est égal à 8. f2 de 3 c'est égal à f1 de f1 de f1 de 3 et on peut vérifier que c'est égal à 24 et ainsi de suite. On peut là aussi démontrer que f de n est égal à n fois 2 puissance n. De façon générale, pour tout nombre alpha, la fonction f alpha plus 1 sera définie à partir de l'itération de la fonction f alpha. f3 se définit comme itération de f2, f4 comme itération de f3, et ainsi de suite. Et plus on avance dans les f, plus on a des fonctions dont la croissance explose vite. Si vous vérifiez les calculs, vous verrez que les premiers termes de la fonction f3 sont 2, puis 2048, puis un monstre de l'ordre de 10 puissance 121 millions, puis un nombre bien plus horrible de l'ordre de 10 puissance 10 puissance 10 puissance 20. Bref, avec f3, on a déjà une fonction qui grandit plutôt vite. Mais la fonction f4, quant à elle, grandit encore plus vite que ça, puisque son deuxième terme est déjà égal à f3 de 2048. On peut en fait remarquer que ces différentes fonctions ont chacune des croissances que l'on peut décrire à peu près avec les flèches de Knus. En effet, la fonction f2 grandit un peu comme 2 puissance n, que l'on peut aussi écrire 2 flèches n. La fonction f3 étant une itération de f2, elle grandit un peu comme 2 double flèches n. Et de même pour f4 qui grandit comme 2 triple flèches n. Bref, on a toute une famille de fonctions où chacune grandit bien plus vite que la fonction qui la précède. Sauf que ces fonctions étalons, la hiérarchie des croissances rapides, ne se limite pas à toutes ces fonctions f indice alpha avec alpha entier. Il est en effet possible de construire des fonctions encore plus rapides, comme par exemple celle que l'on va noter f indice ω. Oméga, oméga c'est un ordinal, un nombre infini que l'on peut se représenter comme étant le plus petit nombre supérieur à tous les entiers naturels. Cette fonction f oméga, on va donc la définir de façon à ce qu'elle grandisse plus vite que n'importe laquelle des fonctions que l'on a définies jusqu'ici. En effet, on va la définir en utilisant la diagonale de tous les fk de n, c'est-à-dire que l'on va poser f oméga de n égale fn de n. Ainsi, f oméga de 1, c'est f1 de 1, c'est égal à 2. f oméga de 2, c'est f2 de 2, c'est 8. f oméga de 3, c'est f3 de 3, c'est égal à ce nombre horrible à 121 millions de chiffres, et ainsi de suite. On peut alors vérifier que cette fonction f oméga finit toujours par égaler, puis dépasser, n'importe laquelle des fonctions fn. Mais ce qui est beau avec les ordinaux, c'est qu'ils ne s'arrêtent jamais. Juste après oméga vient oméga plus 1, et on peut définir la fonction f oméga plus 1 de la même façon que l'on avait défini les fonctions f avec des indices entiers, en itérant la fonction précédente. Ainsi, f oméga plus 1 de n, ça sera l'itération de n exemplaires de la fonction f oméga et évaluée en n. On a donc f oméga plus 1 de 2 égale f oméga de f oméga de 2, c'est-à-dire f oméga de 8, c'est-à-dire f 8 de 8, qui est quelque chose de l'ordre de 2, cette flèche 8. Pour calculer f oméga plus 1 de 3, on va itérer 3 fois f oméga, ce qui donne f oméga de f oméga de f oméga de 3, ce qui donne f oméga de f oméga de ce nombre horrible à 121 millions de chiffres, et le résultat est absolument immense. Il faut en effet évaluer un calcul avec 10 puissance 120 millions de flèches de CNUS, puis en déduire un autre calcul dont le nombre de flèches est le nombre que l'on a obtenu juste avant. Bref, la croissance de f oméga plus 1 est démentielle et demande d'évaluer des tours de puissance de CNUS de plus en plus hautes. Et ça, ce n'est pas sans rappeler la façon dont on a défini le nombre de grammes G64, puisque la fonction G correspondait elle aussi à des tours de flèches de Knus de plus en plus hautes. Dans la hiérarchie de croissance rapide, la fonction petit G de grammes se place donc ici, entre f oméga et f oméga plus 1. Mais alors, où se trouve la fonction tri dans toute cette hiérarchie Eh bien, elle se trouve plus loin. Enfin, elle se trouve beaucoup, beaucoup plus loin. On a défini f oméga plus 1 en itérant f oméga. On va définir de même f oméga plus 2 en itérant f oméga plus 1, puis on définit par itération f oméga plus 3, f oméga plus 4, f oméga plus 5, et ainsi de suite. On peut ainsi définir f oméga plus k pour tout entier k, mais il n'y a pas de raison de s'arrêter là. Après tous les ordinaux de la forme oméga plus k, vient l'ordinal oméga plus oméga, que l'on note aussi oméga fois 2. On peut alors définir f -oméga fois 2 de façon diagonale, comme on l'avait fait pour f -oméga, puis en itérant, on peut définir f -oméga fois 2 plus 1, f -oméga fois 2 plus 2, etc., etc. Via des définitions diagonales ou par itération, on va donc pouvoir définir f ω fois 3, f ω fois 4, etc., etc. Et en poursuivant, on va pouvoir définir f ω fois ω, -oméga, c'est-à-dire f -oméga carré, puis f ω plus 1, puis f omga2 plus 2, etc. etc jusqu'à pouvoir définir des choses comme f oméga cube, f oméga puissance 4, etc., etc., jusqu'à définir des choses comme f oméga puissance oméga. Plus on avance dans les ordinaux, plus on définit de nouvelles fonctions dont la croissance est toujours plus rapide, et dont il est hors de question que j'essaye de les expliciter. En poursuivant dans les ordinaux, on va donc définir f oméga puissance oméga puissance oméga, puis f oméga puissance oméga puissance oméga puissance oméga, etc., etc. Et je ne rends vraiment pas honneur à la théorie des ordinaux en passant aussi vite sur tout ça D'autant qu'on est encore très très loin de la fonction tri. L'ordinal qui est plus grand que tous les ordinaux de la forme d'une tour de puissance de oméga ne peut pas s'écrire avec les opérations habituelles et on va le noter epsilon 0. On peut alors définir f epsilon 0 qui grandit donc plus vite que n'importe quelle fonction définie jusqu'ici. Mais on ne s'arrête toujours pas là parce qu'on peut toujours définir des ordinaux plus grands. Je ne vais surtout pas rentrer dans les détails qui sont beaucoup trop complexes par rapport à mon objectif initial, et on va devoir admettre qu'il existe des ordinaux qui répondent au nom de epsilon 1, epsilon 2, epsilon jusqu'à epsilon εω epsilon plus 1, epsilon fois 2, etc., etc., jusqu'à des trucs comme epsilon epsilon 0, epsilon 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 0, epsilon 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 0, epsilon 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 0 etc., etc. Quand on commence à avoir une infinité d'epsilon en indice, on doit introduire une nouvelle notation, zeta de 0. Et vous imaginez bien que l'on peut continuer, ce qui nous donne des trucs comme zeta de zeta de 0, zeta de, zeta de zeta de zeta de 0, etc., ce qui implique une nouvelle notation, eta, et ainsi de suite. On pourrait continuer ce petit jeu très longtemps à construire de nouveaux ordinaux en utilisant des lettres grecques. À cet instant, il faudrait introduire les fonctions de Veblen qui généralisent cette construction, mais là j'en suis déjà à 10 pages de script, donc je vais abréger un peu. Toujours est-il que, dans les grandes lignes, il existe un ordinal qui sera plus grand que tout ce que l'on peut écrire avec les fonctions de Veblen, que l'on appelle l'ordinal de Pfeffermann-Schötte, noté gamma de 0. Et cet ordinal-là, gamma 0, permet de construire une fonction dans la hiérarchie des croissances rapides f gamma 0. C'est donc une fonction qui grandit plus vite que toutes les fonctions que l'on a construites jusqu'ici, et c'est justement là où je voulais en venir. La fonction tri grandit plus vite que cette fonction f gamma 0. Voilà la vitesse à laquelle cette fonction grandit. Tri de 3 est au moins grand à ce point-là. Et on peut bien sûr définir des nombres encore plus grands en invoquant tri de 4, tri de 5, tri de 1 Google ou même en itérant la fonction tri. Mais qui d'avoir très grand, autant aller encore plus loin. Avec cette fonction tri, nous venons d'ouvrir une porte sur la googologie, l'étude de la nomenclature des très très grands nombres. Il s'agit d'un domaine des maths à la frontière entre les mathématiques sérieuses et une certaine forme d'art, puisque l'objectif est de créer des monstres numériques défiant toujours plus l'imagination. Il existe un wiki entier qui lui est consacré et qui compte aujourd'hui plus de 18 000 pages et qui m'a été d'une grande aide lors de l'écriture de cette vidéo. On y croise donc le nombre de Graham, la fonction tri ou les flèches de Knus qui proviennent directement de résultats de travaux mathématiques professionnels et publiés. Dans ce registre, j'aurais pu vous parler du nombre de skews, qui vaut environ 10 puissance 10 puissance 10 puissance 34, et qui apparaît dans l'étude des nombres premiers. J'aurais pu aussi vous parler plus longuement de la fonction du castor affairé, liée aux machines de Turing, et qui grandit plus vite que n'importe quelle fonction calculable. Elle finira par dépasser la fonction tri. J'aurais aussi pu parler de la fonction d'Ackerman, une fonction à croissance très rapide, de l'ordre de fω, et que l'on définit de façon récursive. Ces fonctions très rapides sont étudiées par les mathématiciens dans le cadre par exemple de l'informatique théorique. Mais on trouve aussi dans la googologie des outils créés par des mathématiciens, mais à titre un peu moins sérieux, comme par exemple la notation fléchée de Conway que j'avais détaillée dans ma vidéo sur le mathématicien. Ces flèches permettent de construire très facilement des nombres plus grands que le nombre de grammes. Mais, en googologie, ce que l'on rencontre le plus, ce sont des travaux de mathématiciens amateurs qui définissent des notations particulièrement cryptiques quand on les découvre, et on peut y rencontrer des nombres comme piocher au hasard sur le wiki, le Deutero Gritter gala l'Exophie, le Sextité Trémar ou le Penta des Sans oublier le Oh My Gosh Oh My Gosh Oh My Gosh, dont le nom fait référence à Rainbow Dash de My Little Pony, ou le Miamiya a Umpa, à ne surtout pas confondre avec le mi a lokabipuwa Umpa. Les googologistes sont aussi sur YouTube et vous pourrez y trouver des vidéos incroyables, comme celle de Douglas Chamlin Jr., qui liste dans l'ordre toutes les créations des googologues. La vidéo dure presque 10 heures et pour vous donner une idée de à quel point toutes ces créations sont folles, dites-vous que le nombre tri de 3 est déjà dépassé à la moitié de la vidéo. Et quand on tombe sur une liste comme celle-ci, on n'a bien sûr qu'une seule envie aller découvrir quel est le dernier item. On découvre alors que le plus grand nombre jamais défini explicitement, c'est le nombre de Rayo. Il s'agit d'un nombre qui a été créé lors d'un concours du plus gros nombre parce que oui, ce genre de concours existe. Pour comprendre le nombre de Rayo, il faut revenir sur le paradoxe de Berry que j'ai évoqué en début de vidéo. Quel est le plus petit entier impossible à décrire en moins de 20 mots Si ce nombre existe vraiment, alors on peut le définir en moins de 20 mots et donc contradiction. Mais ce paradoxe a lieu uniquement si on l'exprime en langage naturel. L'idée du philosophe mexicain Agustín Rayo a été d'exprimer ce paradoxe en langage mathématique. Ce que l'on appelle donc le nombre de Rayo, c'est le plus petit entier qu'il est impossible d'écrire dans le langage de la logique du premier ordre en utilisant au plus un Google de symboles. La logique du premier ordre, c'est, pour simplifier, le langage formel qui permet d'écrire des mathématiques et qui utilise un petit nombre de symboles comme notamment des quantificateurs, des opérateurs logiques ou des variables. Ce langage formel permet de décrire des nombres. Par exemple, cette formule-là, avec 54 symboles, c'est une formule de la logique du premier ordre et elle permet de décrire le nombre 2. Mais ce langage formel étant celui des mathématiques, on peut aussi y décrire le nombre de grammes, la fonction tri, ainsi que tous les nombres que l'on a évoqués au cours de cette vidéo. Avec un Google de symboles, on peut donc écrire beaucoup, beaucoup de choses et donc décrire des nombres dont la simple définition prendrait plusieurs milliards de milliards de milliards d'années à être explicité. Si tri de 3 peut être explicité en quelques minutes, je vous laisse imaginer les horreurs que l'on peut décrire avec davantage de temps. Ainsi, avec le nombre de rayons, on atteint donc une sorte de limite infranchissable de ce qu'il est possible de décrire. Mais alors, peut-on aller au-delà Bien entendu, on peut toujours créer des nombres plus grands que le nombre de rayons. On peut, par exemple, remplacer le Google de sa définition par un nombre plus grand. Ou bien on peut l'itérer. On reste malgré tout sur des concepts que l'on a déjà creusés, c'est pas complètement satisfaisant. On peut le mélanger à d'autres nombres ou fonctions en disant quelque chose comme factoriel de rayo, de tri de un googleplexplex. Mais ça devient ce que les googologues appellent des nombres salades, et c'est considéré comme particulièrement inélégant. Pour aller plus loin que le nombre de rayons, il faut rentrer dans les rouages de la théorie des ensembles, et inventer des métadéfinitions auxquelles je n'ai sincèrement pas compris grand-chose. On a par exemple le large number garden number qui est considéré comme le nombre le plus grand qui a sa place en googologie. D'autres nombres prétendent à ce titre comme le bigfoot, l'oblivion ou l'utter oblivion, mais ces nombres sont considérés comme mal définis. Ils n'ont donc pas la légitimité pour être placés sur le trône des plus grands nombres des mathématiques. Mais une autre façon d'aller encore plus loin que tous ces nombres, c'est de simplement inventer des nombres qui n'existent pas. En leur donnant des définitions d'apparence mathématique et affirmer qu'ils sont plus grands que tout cela. Ça ouvre bien sûr la porte à n'importe quoi, l'idée étant de parodier la googologie et ça donne la googologie fictionnelle. Un wiki de presque 3000 pages dans lequel on peut croiser des créatures qui défient littéralement l'infini, comme au hasard l'Omega d'Asia Perispomeni Programmer Finity ou l'Everythingless Finity. Ces nombres n'ont littéralement aucun sens. Et des vidéastes comme Matisse Hervé ont poussé le curseur jusqu'à créer sur YouTube des vidéos cauchemars qui font définir tous ces nombres sur fond épileptique. Bon, mis à part la googologie fictionnelle, est-ce que tout ça a vraiment du sens Est-ce que ça sert à quelque chose des nombres plus grands que, disons, le Google D'un côté, on doit concéder que oui, puisque le nombre de grammes est un nombre qui a réellement été utilisé au cours d'une démonstration mathématique, et que la fonction tri répond à un problème de théorie des graphes qui n'a pas été créé pour défier les limites de l'infiniment grand. Sauf que ces nombres sont bien au-delà de toute considération concrète. Avec une limite de 10 puissance 80 particules dans l'univers visible, les nombres au-delà n'ont pas le moindre sens physique. On peut, à la rigueur, aller au-delà du Google avec des considérations combinatoires. Il y a par exemple 10 puissance 120 parties d'échecs différentes ou 10 puissance 170 dispositions autorisées au jeu de Go. Mais même avec l'ordinateur le plus puissant imaginable, celui qui utiliserait toute la matière de l'univers visible pour faire ses calculs, on ne peut cependant pas dépasser les 10 puissance 120 opérations par seconde, selon l'estimation du professeur au MIT Seth Lloyd. Ainsi, le nombre 3 triple flèche 3, la tour de puissance de 3 avec ses 7,6 millions d'étages, n'a donc pas le moindre sens physique et n'en aura jamais absolument aucun. Et si on met de côté ces considérations physiques et qu'on prend uniquement le point de vue mathématique, on peut aussi affirmer que ces immenses nombres n'ont un intérêt qu'anecdotique. Oui, bien sûr, il y en a deux ou trois qui ont eu un jour une application concrète une fois dans un article. Mais si vous prenez un papier de mathématiques au hasard, la probabilité d'y rencontrer des nombres au-delà de 5 est extrêmement rare. Bref, ces nombres immenses font donc plutôt partie du folklore mathématique, de celui que l'on ressort de temps en temps pour jouer à se faire peur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 17. Il y a quoi comme nombre qui est très très grand que tu connais 100 100 100 quoi... 000 Ouais, et encore plus grand 10 Non, tout le monde a 10.